C'est un beau décor. J'en avais un peu marre d'être sur le canapé et avoir le mur derrière moi. Je me suis dit, vraiment, j'ai vraiment envie de faire des trucs, de faire un truc avec une télé qui s'anime, etc. Donc, nous voici, cette fois-ci, pour la critique de Cruella. Juste ici. Cruella, nouveau film de Disney. Normalement, je crois qu'il est sorti cette année. Je crois qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti l'année dernière, je suis pas sûr. Mais il devait sortir l'année dernière, ça je le sais. Et résultat, on va en parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ben, j'avais pas vraiment envie. Et les films que j'ai vus en ce moment, il y en a certains qui le méritent. Par exemple, Wonder Woman 1984, c'est un film que j'avais pas vraiment apprécié. Mais je voulais pas faire un film pour le descendre. Résultat, je voulais vraiment qu'un film sorte du lot pour pouvoir en parler. Et ce film est sorti du lot. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais Bruno, mais de quoi tu parles? Comment dire? Ce film est très particulier. Donc, le film Cruella parle donc de la naissance et donc de la vie de Cruella, alias Estella, avant qu'elle devienne Cruella d'enfer. Dans ce film, on va sur quelque chose d'assez exceptionnel, quelque chose qui m'a directement fait briller, quoi. Le truc, c'est que je suis moi-même bipolaire, même un peu plus, et résultat, ben, dans ce film, on va sur une Cruella qui, à l'origine, est bipolaire elle aussi. Et résultat, donc, ça va donner elle, donc Estella, et d'un autre côté, Cruella. Ce qui va être plutôt assez intéressant dans ce cas-là. Comme dans plein de films où on va s'amuser à s'identifier aux méchants de l'histoire et résultat, donc, à s'y attacher, ce film marche extrêmement bien, sincèrement. Comme par exemple le film Maléfique, où c'est la méchante de l'histoire à la base, on s'y attache également. Surtout qu'en plus que dans cette histoire, il y a une histoire de justice quand même, qui doit être rendue sans aucun spoil. On va commencer par une petite partie sans spoil au cas où, mais ensuite je vais directement arriver à partie spoil. Donc... Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. Sans spoiler, donc ce film est plutôt intéressant à regarder. Je dirais plutôt même que c'est de l'art. C'est de l'art, c'est filmé comme étant de l'art, c'est filmé assez... c'est très intelligent à filmer. Ça a été très bien scénarisé aussi, également. Le rythme est bien soutenu, même si les gens ne pourront pas tous aimer. Donc, ce film, comme je le disais, est vraiment une histoire assez particulière parce que, comme je dis, on va encore une fois s'identifier au méchant et aimer ce méchant. Parce qu'on sait très bien que Cruella est la méchante de l'histoire. Et là, on va vraiment s'amuser à s'attacher à elle. Sachant qu'il y a une histoire de justice, comme j'ai dit, justice qui doit être rendue. Et ça fait que c'est carrément une justice divine là qu'elle demande. Et que c'est assez compliqué pendant le film. Reste le film tourne autour donc, de Cruella et donc de ses deux compères qu'elle a connus donc, dès son jeune âge. Donc quelque chose qui n'a pas été expliqué dans les Saints Almaciens. Un truc qui est bien aussi, c'est que Cruella, même si on la connaît dans le sein almacien, elle n'avait pas vraiment de background derrière elle. On ne sait pas comment elle est née, on ne connaît pas son histoire. Qu'est-ce qui l'a rendue aussi folle? Là, on a enfin son histoire. Sachant que c'est un méchant qui gagne, sachant que ça peut se finir mal, comme certains disent, je prends un exemple sur un film qui s'appelle donc, qui a été réalisé dans les années 2000 environ, qui s'appelle donc Hitler, la naissance du mal. Là, je sais que YouTube, ils vont déglinguer la vidéo. C'est simple, ce film a été fait en deux parties. D'ailleurs, il a été distribué par TF1, ils l'ont diffusé en 2h10, mais en deux parties. Alors qu'en réalité, la véritable version dure 3h05. J'ai vu ces 3h05, donc les deux parties en question, je les ai vues et je me suis dit, putain, c'est tellement bien réalisé qu'au lieu d'avoir de la colère pour cette personne qui a vraiment existé, mais tu ressens autre chose que de la colère, que de la haine envers lui. Tu vois le personnage et tu le sens sensible, plus que sensible. Donc, résultat, sans le vouloir, tu t'attaches à ce personnage. Et c'est ça que Disney essaye de faire. Ils essayent de, comme avec Maléfique, de s'attacher au personnage alors qu'elle est méchante. Et même dans Maléfique 2, alors qu'on pensait que dans Maléfique 1, à la fin, elle est devenue gentille. Non, elle a toujours un côté sombre en elle. Elle ne peut pas résister à ça. Elle a son côté protectrice. Et dans ce film, ça va être pareil. Elle a deux côtés, Estella et Cruella. Elle va devoir faire le bon choix entre la gentille et la méchante. Et en plus, c'est caractérisé par ses cheveux. Oui, parce que dans ce film Cruella, de toute façon, c'est pas du spoil, elle est née avec ses cheveux noirs et blancs. Dans ce qui fait que là, ses cheveux noirs et blancs qu'elle a, je trouve ça encore mieux.
parce que ça nous fait même en train de, on se dit putain ce personnage quand même il est né bizarrement, il a carrément ça et en plus comme j'ai dit elle a deux personnalités et deux couleurs de cheveux. Vous voyez le principe? Donc vraiment le fait d'avoir donné ces deux couleurs de cheveux et cette bipolarité, ça la rend beaucoup plus attachante parce que c'est une maladie ce qu'elle a, une maladie que tout le monde a, que beaucoup de gens ont, enfin beaucoup de gens ils ont. Même moi j'ai cette maladie, je suis bipolaire d'origine, d'ailleurs je ferai sûrement une story time dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi en plus, aujourd'hui à 24 ans, j'ai déjà le diabète, parce que je monte le capteur, j'ai déjà le diabète par exemple. Et c'est des difficultés qu'on doit à chaque fois vraiment traverser. Et ce personnage, pareil, elle a le deuil à traverser, elle a sa bipolarité, c'est pas facile pour elle. Et les révélations qui en plus, dans la, que je dirais dans la partie spoil, c'est de pire en pire. C'est ça le problème. Avant d'arriver dans la partie spoiler, je voudrais dire juste un truc, un petit détail avant que vous allez voir le film, ou même le télécharger, le streaming, bref, je m'en fous, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez le cinéma dans sa globalité, si vous avez assez de recul et que vous voulez du vrai cinéma, vu comment ce film a été réalisé, je vous le conseille. Si vous aimez des comédies françaises de merde, ou des films d'action trop bourrins, ou des films qui répondent à toutes les questions au début, alors que, comme ce film, il faut le faire petit à petit jusqu'à la fin, si vous aimez ce style de film, je vous le conseille. Si vous aimez les films d'action, les films bourrins et les films de comédie, ne regardez pas ce film, il n'est pas pour vous. Il y a quelques séquences braquage plutôt intéressantes, c'est ça qui donne un petit charme au film, mais surtout, c'est son réalisme et aussi son réalisateur. Ça a été réalisé d'une manière très correcte et sincèrement, même le scénario avec quelques twists, ça le rend encore plus magnifique. Vraiment, ce film mérite d'être dans ma collection Blu-ray, carrément, parce que tous les films que j'ai en Blu-ray sont des films qui méritent de l'être. Donc, résultat, vraiment, avant de passer à la partie spoiler, si vous aimez le cinéma, le vrai cinéma, je vous conseille ce film. On va passer à la partie spoiler. Avant tout ça, si jamais vous me quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à commenter. Faites ce que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine et on arrive dans la partie spoil. Je vois que certains courageux sont restés pour la partie spoil. Ok, on y va. On apprend donc à la naissance, donc comme je dis tout à l'heure, que Cruella Estella a donc des cheveux de deux couleurs différentes. Elle n'arrive pas à s'adapter à l'école et elle essaye donc de trouver une autre école, mais dans un autre pays. Donc ils vont devoir aller à Londres. Ou même, je pense que c'est le même pays, mais je crois que c'est une autre ville. Et le truc, c'est que la mère de Cruella, donc d'Estella, bon, je dis Estella et ensuite Cruella, la mère de Estella, elle espérait quelque chose de mieux pour la mettre quelque part. Sauf qu'elle tombe d'une falaise. Et c'est là que l'aventure d'Estella commence. Elle rencontre ses deux compères qui sont des descendants d'Atlantiens, je ne me rappelle plus de leur nom. Et ensuite, ils continuent leur truc, donc ils commencent à voler, etc. Jusqu'à avoir une sorte d'appart, genre coloc. Et ils arrivent à avoir ça grâce à leur vol, etc. Donc tout ce qu'ils font, c'est mal ce qu'ils font, évidemment. Et Estella, elle essaye de gagner sa vie à travers ça. Elle essaye d'avoir du travail à côté, femme de ménage, etc. Sauf qu'elle en a marre. Au bout d'un moment, elle boit, elle fait n'importe quoi et elle commence à se faire remarquer. La baronne, jouée par Emma Thompson, très grande actrice d'ailleurs, elle arrive, elle voit la vitrine, elle se dit « Putain, cette, je sais pas qui c'est cette meuf, mais elle a du gros talent. » Elle engage et c'est là donc où elle commence à travailler pour la baronne. Problème, au fur et à mesure du temps, elle voit donc que la baronne a un collier que portait la mère d'Estella. Elle essaye de tout le voler, mais elle n'y arrive pas du tout. Et le truc, c'est que, résultat, vu qu'elle accuse donc la baronne d'avoir fait quelque chose à sa mère, elle devient Cruella. Elle affirme enfin ses cheveux, parce qu'au début du film, elle a les cheveux roux, parce qu'elle a mis une perruque. Là, pour le coup, elle dégage ses cheveux, elle se met en noir et blanc, elle porte une sorte de masque pour éviter qu'on la reconnaisse trop. Elle va vers la baronne, elle commence à rentrer dans l'art, à la faire chier, à la provoquer, jusqu'à que la baronne décide un jour de la tuer, parce que ça en est trop. Et le truc, c'est qu'entre le moment où ça arrive, elle kidnappe trois Dalmatiens, parce qu'un Dalmatien aurait avalé le collier, sachant que le collier, en réalité, c'est un mec qui l'a pris à la fin, mais ça, je vous dirai tout de suite après. Sur partie du film, on assiste déjà à un premier braquage, qui se passe mal, parce que le collier, finalement, c'est un Dalmatien qui l'a volé, alors que non, c'est un mec qui l'a récupéré à la fin, mais ça, je vous dirai ça plus tard. C'est ainsi qu'elle décide de devenir Cruella. Et ensuite, elle commence à avoir un entourage, elle commence à s'entourer d'un styliste, d'une journaliste qui commence à publier, pas vraiment de la propagande, mais à publier sur elle pour que la baronne puisse être assez vexée, jusqu'au moment où on apprend que la baronne est la véritable mère de Estella, alias Cruella. Elle devait être supprimée à la naissance,
chose que l'un de ses majordomes a refusé, l'a donné à la mère en question qui est morte au début, et on apprend qu'en réalité, la baronne a pris ses Damasiens pour tuer la mère adoptive en question, l'a tuée grâce à un petit sifflet d'ultrason. Sauf qu'on arrive à la fin, la baronne décide donc d'éliminer Cruella. Au dernier moment, le majordome en question revient et il vient en aide et lui révèle tout ça et ensuite lui dit que c'est lui qui a le collier et que le collier est une clé où il y a l'acte de naissance d'Estella. C'est là où on arrive au plan final de Cruella. Cruella d'enfer. À ce moment-là, elle a enfin adopté le nom de Cruella d'enfer. Juste avant que tout se passe, elle a légué toute la fortune qui lui appartient, vu que c'est l'héritière du baron, parce que la baronne c'est juste la femme. Elle a hérité de tout ça et résultat, elle a donné à Cruella, donc à elle-même. Et le truc, ce qu'elle a fait, elle a encore une fois provoqué la baronne, lui a avoué « je sais que t'es ma mère ». La baronne l'a poussée comme elle a fait la première fois avec la mère adoptive, sauf qu'elle avait prévu un plan de secours avec un parachute. Estelle est morte et Cruella revient. Elle revient donc parce qu'on l'a sauvée en bas, parce que c'était prévu. Elle remonte, ni vu ni connu, elle revient en tant que Cruella. Pour que les gens se disent « Estella est vraiment morte », la baronne va en tôle et c'est Cruella qui arrive après pour différencier les deux personnages. Estella est morte, enterrée, et Cruella hérite du grand château, et c'est là que tout commence. Comme j'avais dit, ce film est une grande réussite, très bien scénarisé, avec quelques twists. Les deux compères de Cruella, qui auraient pu être seulement deux imbéciles comme le dessin animé original, ne sont pas de simples petits cons. Putain, ma console a commencé à faire n'importe quoi. Les deux compères qu'on voit dans les 101 Dalmatiens ne sont pas si cons que ça, finalement, parce qu'on voit un peu que ce sont des imbéciles dans les 101 Dalmatiens, dans le film original, le dessin animé. Là, pour le coup, ils ont un peu plus de profondeur, et même l'un des deux aurait peut-être des sentiments pour Cruella. Peut-être, mais le truc, c'est que le film n'a pas vraiment exploité ça, et heureusement, parce que sinon, ça ferait un peu bizarre avec le film original. Mais en tout cas, un truc que j'espère, j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent un Cruella 2 basé sur les 101 Dalmatiens, pour qu'on puisse voir encore plus sa chute, quoi, en quelque sorte. Non, vraiment, ce film est très bien scénarisé, de A à Z, et en plus, est d'une réalisation très bien foutue. Si vous aimez le cinéma, donnez une chance à ce film, allez le voir. Si vous n'aimez pas le cinéma et que vous aimez des trucs d'action à la con, des comédies écrites en 3 jours par Jean-Michel Beauf, là, bref, ce film n'est pas pour vous. Mais par contre, si vous aimez vraiment le cinéma et vous voulez aider le cinéma et que ce film, je sais même pas s'il est encore dans certains cinémas, s'il est dans certains cinémas, allez aider le cinéma en question à cause du Covid et allez foncer voir ce film sans la moindre hésitation, je vous le conseille. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Moi je vous dis ciao et profitez bien de la vue, c'est génial donc comme décor. Dites-moi ce que vous pensez du tout nouveau décor. Je suis dans une chaise qui grince, mais ça va changer bientôt, vous inquiétez pas pour ça. C'est qu'une version 1 pour l'instant. Il n'y a rien qui va vraiment changer, il y a une télé qui sera plus grande évidemment. Et cette chaise qui va se barrer, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle grince beaucoup. Donc n'hésitez pas vraiment à liker, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Et résultat, bien, j'espère que vous aurez aimé. Je suis là. Le truc, c'est que vous voyez que j'essaie de critiquer un peu mieux le film. J'essaie de vraiment vous donner ma passion du cinéma. Au lieu de dire quelques trucs du film, non, j'essaie vraiment de vous conseiller à foncer regarder des films en particulier. J'essaie donc de vraiment vous dire des trucs sur le cinéma. J'essaie vraiment de partager ma passion du cinéma. Maintenant, si je fais une vidéo, c'est parce que c'est un film qui me plaît et qui mérite d'avoir son propre vlog sur ma chaîne. Et c'est pour ça que je le fais sans la moindre hésitation. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, en tout cas. Si vous avez aimé ce nouveau format, parce que je suis beaucoup plus terre à terre, je parle un peu plus, je bouge peut-être un peu plus, et je suis plus dynamique, un truc comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me demander quelques améliorations. Est-ce que vous pensez de ce nouveau décor, de la qualité de la caméra, parce que surtout qu'en plus que maintenant que je tourne de ce côté-là du mur, j'ai beaucoup plus de lumière sur moi, donc j'ai une meilleure qualité d'image. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, parce que c'est beaucoup plus différent de ce que je fais d'habitude. Là, je suis beaucoup plus carré, je parle vraiment de la réalisation, je parle pas seulement d'histoire ou de ce que j'ai ressenti, mais vraiment de ce que j'ai vu sur le film, de la manière comment le film... il est vraiment réalisé, et là c'est déjà la fin de la vidéo. Bref, je vous laisse, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est cool. Allez, je vous dis ciao.